Des événements graves se sont produits ici. J'en porte sans doute pour une bonne part la responsabilité. Je tiens néanmoins à ce que tu puisses connaître ma version des faits. Après de longues journées de marche, nous avons établi notre camp de base au seuil d'une vallée d'altitude couverte de rhododendrons. Tous les témoignages concordaient. C'était ici que les apparitions du Gorun, ce fameux homme des montagnes, avaient été les plus fréquentes. Pendant de longues semaines, nous avons exploré en vain toutes les vallées et les montagnes des alentours du camp. L'automne approchait. Les premières gelées figeaient les bords de la rivière. Et la perspective de devoir rebrousser chemin bredouille se faisait de jour en jour plus évidente. Il n'était plus question de la joyeuse camaraderie des premières semaines. Les hommes étaient maussades et nerveux. Notre chef, Reinhard Berger, plus que tout autre. Allez, on se lève, Léon. Un jour de plus dans la chasse aux dahus. Je ferais mieux de m'équiper avant de sortir. Horst est déjà parti. Les remontrances de Berger hier concernant le manque de résultats dans leur traque au Gorun ont vraiment dû l'affecter. Ces biscuits ne valent pas la cuisine du vieux Gustave, mais ils suffisent pour se caler le ventre. Je dois penser à la remplir avant de quitter le campement. Je devrais rassembler tout mon équipement avant de prendre mon sac. Hors de question que j'aille m'aventurer dans la montagne sans elle. J'aimerais bien pouvoir continuer à dessiner la vallée, mais avec Berger qui me met la pression en ce moment, j'en doute fortement. Les lettres de Dana que j'ai reçues avant de quitter Kantar avec l'expédition. C'est dur de ne pouvoir ni recevoir ni envoyer de nouvelles depuis que nous avons quitté la civilisation. Je suis bien content que Yuntam l'ait prêté. J'ai pu faire de superbes photos quand Berger avait le dos tourné. Je ferais mieux d'y aller avant... Savez-vous l'heure qu'il est ? L'heure d'y aller ? Ça suffit ! Que nous trouvions les Goruns ou pas, vous vous en fichez, pas vrai ? Alors écoutez-moi bien, Cobatis. Vous avez intérêt à changer d'attitude. Le soleil pointe à peine le bout de son nez. Je m'en fous complètement !
Tout le monde s'est déjà mis au travail à part vous. Alors vous allez vous remuer les fesses et aller aider Sauer à mener ses recherches. Cet imbécile serait bien fichu de se perdre encore une fois. Ça va, ça va. Je suis pas votre ennemi, vous savez. Je doute que vous ayez pleinement conscience de la gravité de la situation, Léon. Si nous ne ramenons pas un spécimen de Gorun, l'ombre brune va... Écoutez, trouvez Sauer, s'il vous plaît. Vite! Pauvre bête. Cette traque de l'abominable homme des neiges est en train de rendre Berger complètement fou. Allez chercher Sauer. Il a pas l'air bien commode, ce Gorun. C'est peut-être pas plus mal qu'il l'ait pas encore trouvé. Avec ça, je vais pouvoir m'aventurer aussi loin que nécessaire pour retrouver Sauer. La montagne est dangereuse et nous sommes préparés au pire. Espérons juste que nous n'aurons pas à nous en servir. Personne. Bauer et Jaeger ont déjà dû partir à la recherche du Gorun. Jaeger et Bauer y sont allés un peu fort avec l'alcool ces derniers soirs. Le moral des troupes n'a jamais été aussi bas. Ça n'a pas dû être facile pour Bauer d'abandonner sa petite fille juste après sa naissance. Ce médaillon doit appartenir à Bauer. Il a dû l'oublier en allant se coucher hier soir. La fille de Bauer. J'en arrive parfois à oublier que je ne suis pas le seul à avoir laissé derrière moi un être cher de l'autre côté des montagnes. Bauer, sale petit. Tout est rangé au millimètre, comme d'habitude avec Bauer. Horst est déjà parti. Les remontrances de Berger hier concernant le manque de résultats dans leur traque au Gorun ont vraiment dû l'affecter. Tous ces livres. Il n'y a vraiment que Horst pour trimballer des bouquins d'anthropologie à l'autre bout du monde. La marche du progrès ne s'arrête jamais pour lui.
Bah, je ferais mieux d'y aller. L'automne est là. Nous ferions mieux de ne pas trop tarder à quitter la montagne, sinon nous n'y survivrons pas. Y a quelqu'un ? On dirait que quelqu'un a abandonné ses affaires ici. Je ferais bien d'y jeter un coup d'œil. S'arrêter pour bouquiner au beau milieu de la nature, c'est du sour tout craché. L'un d'entre nous a dû s'installer ici, pour se reposer peut-être. Son propriétaire a dû filer à la hâte pour l'abandonner ainsi derrière lui. L'un des scientifiques a dû s'arrêter ici pour se reposer, probablement sour. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cette marque est certainement ce qui a incité sour à s'arrêter un moment. Je ferais mieux de me lancer à sa recherche pour essayer de tirer les choses au clair. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça ouais ? Qu'est-ce que vous faites ? Chut ! Regardez ça ! Est-ce que c'est un... Oui, un Gorun ! Oui, c'est un Gorun ! Je l'ai entendu gémir, alors que je prenais une pause près du chemin. Dépêchons-nous, il faut prévenir les autres. Allez-y, il a l'air blessé. Je ferais mieux de rester pour essayer de l'atteindre avant que le courant l'emporte. Très bien, Léon. D'accord. Mais ne le perdez pas ! T'en fais pas, petit bonhomme. Ne bouge pas. Je vais venir te chercher. Le courant est trop fort pour traverser. Je ferais mieux de chercher un autre moyen. Toutes sortes de débris ont été charriés par la rivière. Mais à part pour bricoler un radeau, je ne vois pas à quoi ils pourraient servir. Doudou, Léon. C'est pas le moment de faire trempette. Ne t'en fais pas, je vais pas te faire de mal. Je veux juste examiner ta blessure. Que lui donner pour lui prouver que je lui veux pas de mal ?
C'est pour toi. Gentil. Tout va bien. N'aie pas peur. Tout va bien, bonhomme. Bon petit. Allez, mange, mon bonhomme. C'est bon, pas vrai? Ta jambe cassée. Je veux juste la regarder, d'accord? Écoute, petit bonhomme. Si tu me laisses voir ta blessure, t'auras un autre biscuit après, d'accord? Elle est bien cassée. Ça doit faire mal. Tu es très courageux. Il faut laver ta blessure et poser une attelle. Ensuite, on pourra t'amener au campement pour te soigner. Tiens bon. Je vais revenir. Un peu de patience, petit bonhomme. Je vais revenir. Elles sont suffisamment droites pour aider le Goroun à rejoindre le campement. Je dois trouver quelque chose pour fabriquer une attelle au Goroun. Il faut faire vite. Cette marque, à en juger par sa forme, elle a dû être faite par le Goroun, probablement avant qu'il ne soit blessé. Je me demande ce qu'elle signifie. Le Goroun risque de prendre peur si je m'en vais maintenant. Je dois bien pouvoir trouver quelque chose dans le coin pour le soigner. Elle devrait me permettre de faire tenir la telle du Goroun. On y va, petit bonhomme. Ça risque de piquer un peu. C'était pas si terrible, si? Il nous reste juste à trouver un moyen de te faire traverser. C'est toi qui as fait ça, petit bonhomme? Eh bien, tu dessines mieux que tu ne parles, hein?
Il ne reste plus qu'à attendre les autres. Hein? Ah! Tu veux un autre biscuit? Tu apprends vite. C'était un très jeune spécimen, ma chère Dana. Presque un enfant. Le premier regard que nous avons échangé n'a laissé aucune place au doute. J'étais bien en face d'un être doué de raison. Quand mes compagnons m'ont finalement rejoint, j'ai tout de suite compris que nous ne partagions pas le même point de vue. Il ne voyait que l'importance de la découverte, pas l'être intelligent qui était devant nous. Le jeune Gorun n'était en rien une personne pour eux, mais juste un passionnant sujet d'étude. Leur excitation semblait leur avoir ôté tout sens commun. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Un fruit. Prends un fruit ! Vous l'avez enfermé. À quoi vous attendiez-vous? Il est effrayé. Faites-le taire, ou je le bâillonne. C'était quoi? Passez-moi le fusil! C'est sûrement la mère du Gorun. Rendons-lui et elle s'en ira. En nous privant d'un spécimen adulte, auriez-vous perdu la tête? Allez, maman. Regardez un peu sa taille, Berger. Blessez-la, et nous ne pourrons jamais la ramener en vie. Qui a dit que je la voulais en vie? Tous nos spécimens n'ont pas besoin de l'être. Non! Pardonnez-moi, Berger. Je ne pouvais pas vous laisser tirer sur eux. Reinhardt, tout va bien ? Mais il a tué Berger ! Bauer, attendez. Vous l'avez vu ? C'était un accident. Il était sur le point de tuer le Gorun. Alors, j'ai...
Je n'avais aucune intention de... La ferme, assassin. Oh mon Dieu, Berger. Je suis désolé. J'ai jamais voulu ça. Je vais lui apporter un peu de soupe. Nous n'allons pas le laisser mourir de faim. Cette ordure mérite pas de manger. Sacré Horst, hein ? Sa bonté le perdra un jour. Ne craignez-vous pas que je cherche à m'enfuir ? Ils ont l'intention de vous livrer aux autorités de Kantar pour le meurtre de Reinhard Berger. Ça ne me surprend guère. Je suis tombé sur une lettre de Bauer visant à me faire porter le chapeau pour tout ce qui a mal tourné ici. Ça doit faire un moment qu'il préparait son coup. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Mais vous ne méritez pas le sort que Bauer et Jaeger vous réservent. Faites semblant d'être attaché. Attendez qu'il soit endormi. Puis prenez votre équipement et filez aussi loin d'ici que possible. C'est compris ? Oui, mais pourquoi ? Voici donc toute l'histoire, ma très chère Dana. J'ignore tout de ce qu'il adviendra de moi, où donc ma fuite m'entraînera ces prochaines semaines, et à quoi ressemblera désormais ma vie de meurtrier en cavale. Mais sache que mon amour pour toi reste intact, et que mon plus cher désir est de pouvoir un jour te serrer à nouveau dans mes bras. Je t'aime plus que tout au monde. Léon, ton barbouilleur des cimes. Dana ! Oh mon Dieu ! Dana ! Mon cœur, qu'est-ce qui t'arrive ? Léna, viens vite ! Thank you.
Cher journal, tant de choses se sont produites depuis que j'ai reçu la lettre de Léon il y a quelques jours. Je me remets progressivement. Aujourd'hui, papa et maman m'ont annoncé que j'allais devoir m'éloigner quelque temps. J'aimerais expliquer ce qui se passe, mais je ne sais pas trop par où commencer. Je vais tenter d'organiser mes pensées tout en terminant de faire ma valise. Comme je te l'ai dit, cher journal, je partirai demain. Papa et maman vont m'envoyer au sanatorium hors de la ville pour quelques mois. Ils disent que c'est pour poursuivre ma convalescence. En d'autres termes, pour nous envoyer, moi et mon secret, loin des regards indiscrets. Mes parents ont accepté l'offre de leurs amis de longue date, les Zimmer, de payer mes frais d'hospitalisation au sanatorium. Les Zimmer ont dit que c'était au nom de leur longue amitié avec papa et maman. Mais je crois qu'ils culpabilisent d'avoir les moyens de fuir Wagen et l'ombre brune, alors que papa et maman ne le peuvent pas. Un cadre idéal, aussi bien en été qu'en hiver, dans un environnement pittoresque et enchanteur surplombant le Dombre. Bon, espérons que c'est vrai. Allons, Dana. Tu as déjà versé assez de larmes. Papa et maman m'ont enfermée ici après la découverte de mon état. Ne pas pouvoir jouer du piano me manquera durant mon absence, les cours à l'académie encore plus. J'espère que tu vas bien, Léon, où que tu sois. Pauvre papa et maman. Ils ont été catastrophés quand le médecin qu'ils avaient appelé suite à mon malaise a découvert mon secret. Ce secret dont je n'ai osé parler à personne, pas même à toi, mon cher journal. À présent, je peux te le dire. Je suis enceinte, cher journal. Et Léon est le père. Il y a eu beaucoup de cris et de larmes lorsque le médecin l'a annoncé à papa et maman. Puis ils ont finalement décidé qu'ils prétendront avoir recueilli l'enfant d'un proche décédé. Je sais que tout le monde attend de moi que je me sente coupable, mais je ne peux m'empêcher de penser à des prénoms. Si c'est un garçon, ce sera Léon, bien entendu, afin de porter bonheur à son père. Et si c'est une fille, je pense que je l'appellerai Anna. Papa a l'air d'avoir vieilli de 10 ans à l'annonce de ma grossesse. Mais ce qui semble l'avoir le plus affecté est d'avoir dû demander de l'aide à Herr Zimmer.
Maman dit que Léon n'est qu'un aventurier sans scrupules qui a abusé de l'innocence d'une jeune fille. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je te rangerai là-dedans dès que j'aurai terminé, cher journal. Je préfère te cacher ici plutôt que de risquer de te perdre là où je vais. Mon médicament pour la toux. Maman m'a forcé à le reprendre depuis que je me suis évanouie en recevant la lettre de Léon. Je devrais l'emporter. Là, ça devrait aller. Il ne me reste plus qu'à conclure mon journal, puis à le cacher quelque part avec la lettre de Léon. À présent, tu sais tout, cher journal. Et l'heure semble venue de te dire au revoir pour un temps. Tout ce que j'espère, c'est que Léon parviendra à survivre à l'hiver dans ces montagnes reculées. Et qu'il trouvera un moyen de revenir et de laver son nom. Et nous, nous l'attendrons, moi et le bébé. Moi et le bébé? Pensez-vous toujours qu'il pourrait y avoir un lien familial entre vous, Kate Walker? Eh bien, tout ce que je sais, c'est que ma famille du côté de ma mère venait d'Europe. Comme beaucoup de New-Yorkais. Je ne sais pas d'où exactement, mais... Et puis, il y a la boîte à musique que m'a laissée ma mère, qui s'avère jouer l'hymne de Wagen. Tout ça paraît si... si incroyable. On croirait voir le destin à l'œuvre. Ou des coïncidences, Kate Walker. La loi des coïncidences veut que plus un individu va être enclin à croire aux coïncidences, plus il va les accumuler. Mais il y a un fait. Le fait, Oscar... Que tout le monde n'arrête pas de me dire que Dana et moi nous ressemblons trait pour trait. Que comptez-vous faire à présent, Kate Walker? D'après le journal, Dana est partie dans un sanatorium hors de la ville. Leurs archives pourraient nous apprendre ce qu'il est advenu d'elle et de son bébé. Mais avant, il reste un truc qui me chiffonne. Quoi donc, Kate Walker?
Le pogrom dont Frau Eagle nous a parlé. Celui au cours duquel la maison et le voisinage ont été saccagés. Il s'est produit en 1938, si je me souviens bien. Dana a dit qu'elle allait partir quelques mois pour le sanatorium fin 1937. En effet, Catwalker, il est donc très probable qu'elle ait été à l'abri là-bas quand les pogroms ont eu lieu. Oui. Mais et si elle était restée à la maison, avec son bébé? Je dois le découvrir avant de me rendre au sanatorium, Oscar. Nous devons trouver d'autres indices dans le quartier. Très bien, Catwalker. Vous décidez et je suivrai. Tant que vous n'oubliez pas votre sac. Croyez-moi, Oscar, vous êtes le seul ami qui me reste. Je ne vais pas vous perdre. Des menaces, bourrées de fautes d'orthographe et signées Frank Hoss. Le membre de l'ombre brune qui s'en était pris à Léon au refuge. Il ne leur a jamais pardonné. Il en avait après Dana lors du pogrom. En effet, Catwalker. Mais l'existence même de ce message semble indiquer qu'elle n'était pas chez elle quand ces tragiques événements ont eu lieu. On avance, mais c'est encore insuffisant pour en tirer des conclusions. Donc, d'après cette lettre, Dana est censée avoir séjourné au sanatorium jusqu'en décembre 1938. Et il semble y avoir eu des complications médicales. Allons, Oscar, nous devons trouver d'autres indices. Les initiales de Dana. Nous nous trouvions de l'autre côté de ce mur tout à l'heure, Catwalker. J'ai l'impression d'avoir traversé un miroir. Je ne comprends pas bien, Catwalker. Laissez tomber, je raconte des bêtises. Si vous le dites, Catwalker. Quelle heure? Meilleure. Hortel, je me rapproche. Aucune mention de Dana ici. Anton et Lena Rose, les parents de Dana. Oh mon Dieu, ils ont été tués durant le pogrom. Dana Rose est-elle également mentionnée? On ne dirait pas, non. J'ai besoin d'en être sûre. D'après ce livre, le pogrom a eu lieu début novembre 1938. Je crois que j'y suis, Oscar. Nous savons que le pogrom s'est produit début novembre 1938. Les parents de Dana, Anton et Lena, ont été tués. C'est un fait. Mais Dana,
était censé se trouver au sanatorium. La chose semble confirmée par ce message que R.O.S. a laissé sur le mur, Catwalker. Exactement. Bon, nous en avons fini ici, Oscar. Nous allons prendre le tramway pour rentrer à la pension. Nous essaierons de trouver ce sanatorium à la première heure demain. Voici donc la fameuse Kate Walker. Pardon ? Dana Rose. Je l'ai très bien connue, vous savez, notre Dana chérie. Vous attendez le tramway, n'est-ce pas ? Ah, nous ferions mieux de rentrer parler à la pension. Il paraît qu'une tempête approche. Ravi de faire votre connaissance, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake ou Fraulein Junta? Vous comprenez vite à ce que je vois. Vous êtes une jeune femme très futée. Vous vous demandez sûrement pourquoi je me trouve ici devant vous, portant le nom et le grade d'un officier militaire de Sa Majesté. Voici notre tramway. Si vous permettez... Alors, Miss Walker, vous êtes bien silencieuse. Je pensais que vous auriez des questions à me poser. Non ? J'ai lu que, grâce à votre réputation d'artiste, vous avez espionné l'ombre brune pour le compte du Royaume-Uni avant et pendant la guerre. Mais quel est votre véritable nom, du coup ? Junta Steinhoff ou Colonel Blake? Janet Blake est mon nom, Miss Walker. Ce n'est pas le genre de nom auquel l'ombre brune aurait fait confiance, vous en conviendrez. J'ai donc repris le nom de jeune fille de ma mère comme alias. Mes deux parents étaient diplomates en Autriche, voyez-vous. Vous étiez donc une sorte d'agent double? Un terme bien romantique comparé à la réalité des choses. Mais oui, j'imagine qu'on peut dire ça. Vous avez parlé de la pension. Êtes-vous l'autre personne qui y loge ? Effectivement, Miss Walker. C'est d'ailleurs Frau Wagner qui m'a parlé de vous. Lorsqu'elle m'a raconté que vous étiez à la recherche de Dana, j'ai compris que nous avions des choses à nous dire. Frau Wagner m'a conseillé d'appeler l'Académie, ce que j'ai fait. Là-bas, le recteur m'a dit qu'il vous avait envoyé vers le pont des brumes. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à déambuler dans tout Wagen à la recherche d'une mystérieuse américaine avec un portrait. Vous devez avoir de nouvelles informations pour moi à propos de Dana. C'est fort possible, Miss Walker, mais... Que diriez-vous de me raconter d'abord ce que votre petite enquête vous a permis de découvrir sur Dana ? Je sais que Dana était inquiète car Léon était en cavale.
après la mort de ce scientifique. Herr Berger. Ce qui peut se comprendre. Comment aurait-il pu survivre à l'hiver, perdu tout seul dans les montagnes d'un pays étranger? Oui, comment? C'est précisément la question, Miss Walker. Cette expédition origine au Baltayar, c'est une sale histoire. J'ai découvert aujourd'hui que Dana était tombée enceinte cet été-là, en 1937. Léon était le père. Ses parents ont donc décidé de la cacher dans un sanatorium, en dehors de la ville. Ce qui, je suppose, a dû la sauver de la nuit des pogroms de l'ombre brune. À Wagen. Vous supposez bien, mais ses parents, en revanche. Oui, je sais qu'ils y sont restés. Les pauvres bougres, une bien triste histoire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Pouvez-vous me dire ce qu'est devenue Dana après son départ pour le sanatorium au moment d'accoucher ? Je dois l'avouer, Miss Walker, je craignais qu'il vous manque une information des plus douloureuses et il semble que ce soit bien le cas. Que voulez-vous dire ? Je... Écoutez, je crois que nous ferions mieux de rester dans ce tramway jusqu'à son terminus. Je sais que c'est une requête assez surprenante, mais vous devez constater ça par vous-même. Eh bien, je... En attendant, je vous recommande de profiter du paysage. Cela vaut le coup d'œil, je vous le garantis. Pardonnez-moi, Miss Walker, mais vous cherchez sur ce pont, s'est avéré plus épuisant que je ne pensais. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Ah, Baliverne, je sais que vous êtes impatiente d'en savoir plus sur Dana. Partez en premier, trouvez la section O8. Je vous y rejoindrai. Vous ne pouvez pas me dire ce que nous faisons ici ? Je dois vous paraître cruelle, à parler par énigme et faire des mystères comme une diseuse de bonne aventure. Mais je vous en prie, voyez ça par vous-même. Bon, d'accord. N'oubliez pas, Miss. Section O8.
8. Trouvez-la. Je vous y rejoindrai. Ouh, ça caille pas ici. Mais comment est-ce que je me débrouille pour toujours me retrouver dans ce genre de situation? Ces ruines, elles ont l'air de remonter au moins au Moyen Âge. Cet endroit a quelque chose de sinistre. Ne craignez rien, Kate Walker. Le soleil est en train de se coucher et vous êtes toute seule dans un lieu isolé et en ruine. Statistiquement, il est hautement improbable que vous fassiez une quelconque rencontre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Merci, Oscar. Vous voulez me faire plaisir? Cessez d'essayer de me rassurer, je vous prie. Comme vous voudrez, Kate Walker. Sinistre. Cet endroit me donne des frissons. On dirait... Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il, Kate Walker? Cet endroit, c'est... C'est un cimetière, Oscar. Dana doit être... Oh mon Dieu, elle a dû... Ne tirez pas de conclusions trop hâtives, Kate Walker. Vous devriez essayer de trouver l'endroit que la colonel Blake a mentionné. La section O8. Oui, je... D'accord, allons-y. Oh mon Dieu. La section O8 est par là. Je n'ai pas le temps de me perdre dans ce labyrinthe. Je vais avoir besoin que vous deveniez mes yeux, Oscar. Très bien. Appelez-moi dès que vous aurez besoin d'être guidé. Oscar ? Que deviendrait-elle sans moi ? Un cimetière. Oh mon Dieu. Impossible de passer. Je vais devoir trouver un moyen de le contourner. Section B. Oh, illisible. Section F. Oh, ce n'est pas par là. J'ai besoin d'indications. C'est impossible à lire. Aidez-moi à m'y retrouver, Oscar. Donnez-moi une seconde. Les fossoyeurs ont dû l'oublier. Il semble si vieux. Cet endroit doit dater de plusieurs siècles.
Je reconnais certains noms. C'est intéressant, mais je devrais plutôt me concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Section M. Section O. C'est là. Anna Rose, 1938. Parti pour un monde meilleur. Oh non! Que s'est-il passé? La santé de Dana s'est détériorée au sanatorium. Les quintes de toux, la grossesse et surtout le stress de savoir que Léon était en cavale là-bas au Baltayar, ça a fini par faire trop pour elle. Les médecins ont dû l'anesthésier pour l'accouchement. Il y a eu des complications et à son réveil... Ses parents lui ont appris la terrible nouvelle. Ils avaient déjà enterré la pauvre petite. Pourquoi l'ombre brune n'a pas cherché à retrouver Dana? Tout l'Ostertal était sous son contrôle à l'époque, non? Oh, ils auraient bien fini par la retrouver. Et ensuite? Dana s'est retrouvée stérile suite aux complications durant l'accouchement. Elle a donc passé encore quelques mois au sanatorium. Elle était anéantie, la pauvre chérie. C'est ce qui lui a permis d'échapper au pogrom. Oui, mais elle n'était pas en sécurité pour autant. Que s'est-il passé ensuite? Dana avait tout perdu. Ses parents, son bébé, Léon. Je crois qu'elle aurait laissé tout tomber si je n'avais pas été à ses côtés. Mais je devais me rendre à Londres. À l'époque, j'étais régulièrement invitée à toutes sortes de manifestations artistiques. Cela me permettait de faire mon rapport au British Secret Service sans éveiller les soupçons de l'ombre brune. J'ai emmené Dana avec moi pour l'arracher à leurs griffes. Dana est restée à peu près 6 ans à Londres. Je lui ai trouvé un appartement et un poste auprès de mon véritable employeur, le Foreign Office. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis et en un sens, pas de vie. Elle passait tout son temps au bureau à lutter à sa façon contre ceux qui lui avaient tout pris. Elle a enchaîné les promotions. Et elle s'est rapidement retrouvée en charge de la coordination de tous les groupes de résistants actifs dans les différents territoires occupés d'Europe.
Allez, Dana. On se concentre. L'amirauté a besoin d'une mise à jour des positions ennemies sur la carte basée sur les derniers rapports reçus. Je pense m'être trompée avec ça. Voilà, ça me paraît bon. Yunta ! Dana, chérie, tu peux utiliser mon vrai nom ici, tu sais ? Désolée, je n'arriverai jamais à m'y faire. Pour moi, tu seras toujours Yunta Larousse. Charmant, je dois remercier Lenny pour ça, j'imagine ? Tu as toujours été trop coulante avec cette petite peste. Arrête avec ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis si heureuse de te voir. Je ne fais que mon devoir, Dana chérie. Une galerie m'a invitée pour une conférence et j'ai donc sauté sur l'occasion pour venir faire mon rapport à nos supérieurs.
Mais ce sera probablement la dernière fois avant un moment, je le crains. Il devient très difficile de quitter les territoires occupés. Même pour une célèbre artiste soi-disant pro-ombre brune telle que moi. Bref, comment ça va depuis la dernière fois? Ah, eh bien, entre Léon porté disparu et probablement mort au fin fond du Baltaïar depuis 7 longues années, et ce qui est arrivé à mes parents, tu sais ce que je ressens. Mais tout cela commence à ressembler à un rêve, Yunta. Un rêve lointain. Particulièrement elle. Et je n'en ai pas envie. Tu comprends? Je ne veux pas qu'elle, ma petite Anna, qu'elle disparaisse. Excuse-moi, Yunta, mais pourrions-nous changer de sujet? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Du travail pour toi, en fait. Ah, oui. Les Alliés vont avoir besoin de quelqu'un pour une opération avec la Résistance en territoire occupé. Ils pensent que tu pourrais t'en charger. Mais très franchement, Dana, je ne suis pas sûre que ce soit une si bonne idée. Pourquoi pas? Je me suis portée volontaire pour des opérations de terrain. Je me suis beaucoup entraînée pour ça. Je sais, Dana, mais cette opération doit se dérouler en Ostertal, juste à côté de Vagan, en fait. Je vois. Écoute, tu n'es pas obligée de répondre tout de suite. Et personne ne t'en voudra si tu déclines cette mission. Nous savons que tu n'as pas que des bons souvenirs de Vagan. Tu as encore le temps d'y réfléchir. Mais avant de me donner ta réponse finale, tu vas devoir identifier le groupe de résistants qui sera chargé d'exécuter cette opération. Tout est expliqué là-dedans. Bien sûr, tout cela est top secret. Tu vas devoir recouper les documents que voici sans quitter la pièce. Tu utiliseras cet appareil là-bas. Mais je ne sais pas m'en servir. Ça ne sera pas difficile pour toi. Tu as un esprit brillant, ma petite virtuose. À tout à l'heure. Bon, au travail alors. De l'air comprimé. Je crois qu'il faut trouver le bon équilibre. En cela doit servir à doser le mélange d'air raréfié et d'air comprimé dans le système. D'après ce que j'ai compris de cet engin, la pression doit être élevée dans le tube de gauche et basse dans celui de droite.
Non, voyons. Ce n'est pas ça. Je dois formuler ma demande autrement. Alors, voyons cela. Ça ne va pas avec ce que Yunta m'a dit. Ce n'est pas celui-là. Il ne peut pas s'agir de ce réseau clandestin. Non, ça ne colle pas. Non, ça ne peut pas être ce réseau. Ces informations ne correspondent pas à ce que Yunta m'a dit. Non, ça ne colle pas. Edelweiss ? Une coïncidence. Ça doit être une coïncidence. L'alias du chef du réseau. Allez, viens par ici, mon petit Edelweiss. Ne m'appelle pas comme ça, tu sais que je n'aime pas. Je sais bien, mais c'est pourtant ce que tu es, mon petit Edelweiss. Si tu continues, Léon Cobatis, je vais te trouver un surnom, moi aussi. Eh ben, vas-y. D'accord. Tu seras désormais le barbouilleur des cimes. Léon ! Il est vivant ! Il est vivant ! Il est vivant ! Il faut que... Je n'y crois pas. Comment a-t-il pu ? Yunta ! Yunta ! Donc Léon a pu revenir du Baltaïar. Mais comment ? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il a survécu pendant près d'un an dans les montagnes avant de pouvoir regagner l'Ostertal et d'y fonder le réseau de résistance Edelweiss. Ce qui a convaincu Dana d'accepter la mission que vous lui aviez proposée, c'est ça ? Bien sûr, elle a subi un entraînement supplémentaire avant d'être parachutée près de Wagen l'été suivant. Nous devrions rentrer. Je crois que la tempête arrive. Partez devant. Je vous retrouverai à la station de tramway. Bien sûr. Prenez tout votre temps.
Donc c'est reparti pour le... Mais... Qu'y a-t-il, Kate Walker? La grille, elle s'est refermée. Oh, il doit bien y avoir un mécanisme pour l'ouvrir quelque part. Il y en a toujours un, Kate Walker. Ça ferme à leur pile. Que vais-je bien pouvoir faire maintenant? Passer la nuit dans un caveau? Les fossoyeurs ont dû l'oublier. Il semble si vieux. Cet endroit doit dater de plusieurs siècles. Les fossoyeurs ont dû l'oublier. Impossible de passer. Je dois trouver un autre chemin. Il faut une clé. Mais le cadenas n'a pas l'air bien solide. Vous pourriez rapprocher cette pioche, Oscar? Bien sûr, Kate Walker. Elle semble adaptée pour un plus gros mécanisme. Ce mécanisme, il semble connecté à la grille, mais je n'arriverai pas à l'atteindre d'ici.
Ça ferme à leur pile. Que vais-je bien pouvoir faire maintenant? Passer la nuit dans un caveau? Vous semblez déçu, Kate Walker. Déçu de quoi? Eh bien, arrêtez-moi si je me trompe, mais le fait que Dana Rose ait perdu son enfant et se soit retrouvée stérile contredit votre hypothèse de lien familial entre vous, non? Vous n'avez pas tort, Oscar, mais je fais preuve d'un excès d'optimisme. J'aimerais vous ressembler et ne pas être sous l'emprise de stupides émotions. Voilà qui est plaisant à entendre, enfin, je crois. Excusez-moi, Oscar, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Est-ce que tout va bien, Miss Walker? Prenons le tramway pour regagner la pension, Miss Walker. Comment s'est passée cette mission dirigée par Dana, avec le réseau de résistance de Léon? Elle a mal tourné, Miss Walker. En fait, c'est pour cela que j'ai quitté Londres pour venir ici. Oh. Oui, un petit instant, Miss Walker. Où l'ai-je donc mis? Avec cette fichue tempête, on en parle dans tous les journaux. Ah, voyez-vous-même. Tempête. Les travaux d'excavation au col du diable, interrompus. La tempête a contraint le Conseil à demander le transfert des dépouilles piégées dans la glace depuis la Seconde Guerre mondiale, pour les mettre à l'abri au refuge de Silberspiegel. Ces corps gelés près du refuge, j'en ai entendu parler hier. Pensez-vous que... Aucune identification formelle n'a encore eu lieu, Miss Walker. Mais il serait plausible que... Qu'au moins Léon fasse partie des personnes retrouvées, oui. Qu'est-il arrivé à Léon? D'après les témoignages que j'ai obtenus, Léon a été tué au cours de cette mission
que le Foreign Office avait confié à Dana. Une avalanche, apparemment. Je fais partie des rares personnes encore en vie capables de l'identifier, d'où ma présence ici. S'il n'y avait pas eu cette maudite tempête, cela aurait dû être fait aujourd'hui. Pensez-vous que Dana puisse se trouver parmi ces corps ? Ce serait logique, j'imagine. Cela pourrait expliquer pourquoi je n'ai plus jamais entendu parler d'elle après cette mission. Cependant, d'après certains témoins, Dana aurait survécu à la guerre et aurait apporté son aide aux résistants de Wagen jusqu'à la libération. Mais si ces témoignages disent vrai, alors Dana s'est volatilisée après la guerre. Qu'en est-il des autres corps ? D'après l'Institut médico-légal, au total, 3 cadavres ont pu être extraits de la glace. Un que l'on pense être Léon, et puis 2 autres, ceux d'un homme et d'une femme encore non identifiés. Je vois. Essayez de rester positive, Miss Walker. Seule une identification visuelle nous permettra d'être fixés. Nous pourrons y aller dès que cette tempête se sera calmée, demain ou après-demain, probablement. D'accord. Miss Walker, nous sommes arrivés. Vous ne venez pas, c'est bien ça? Eh bien, Miss Walker, vous n'avez peut-être aucun lien avec Dana, mais vous me la rappelez furieusement. Attendre que la tempête se calme et une identification officielle des corps qui, il faut le préciser, ont passé 6 décennies piégés dans la glace, vous, et par extension moi-même, allez escalader la montagne afin d'aller les identifier. Je sais, Oscar, je sais. Mais je dois en avoir le cœur net. Parce que si l'un de ces corps s'avère être celui de Dana, je... n'aurai plus aucun train à attraper. Thank you.